Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans Ark Survival. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des grosses rampes comme vous pouvez le voir, sans nécessairement avoir des piliers en dessous. Cette méthode est très simple. Elle consiste tout simplement de mettre des fondations en dessous. Et tant qu'il y a des fondations en dessous des rampes, les rampes vont être capables de se tenir par elles-mêmes. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est l'ancienne méthode. Ça prend beaucoup plus de matériaux, c'est moins beau visuellement. Avec cette méthode-ci, on n'est pas obligé de le raccorder au plancher non plus, à des fondations. Donc, il suffit tout simplement d'avoir des fondations, peu importe en quel matériau, en dessous. Donc là, vous vous dites, pourquoi ne pas utiliser des toits inclinés à la place des rampes? Ben, tout simplement parce que les toits inclinés ils ont un angle plus faible, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, en fait, ça prend moins de longueur. Pour accomplir la même hauteur en prenant les rampes. Donc, de plus, installer les toits inclinés, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande de mettre quelques murs et c'est un peu chiant. Là, je me suis dit, si ça marche avec des fondations en dessous, est-ce que ça marcherait en mettant des espaces entre chaque fondation? Et la réponse est non, ça marche pas. Et donc, les fondations, il faut absolument qu'elles soient toutes reliées entre elles. Comme dans mes autres exemples ici. Et donc ensuite ça va marcher parfaitement. Comme je disais, en autant qu'il y a des fondations en dessous, ça va marcher. Comme dernier exemple, ici j'ai fait une super grosse tour. Donc, on va tester, voir si ça marche avec les rampes. J'ai mis en bas des fondations et des plafonds qui sont supportés par des piliers. Donc on va voir si ça va marcher. Voilà, là j'installe les rampes en métal. Comme vous pouvez le constater, ça marche très bien. Donc il n'y a pas de problème. Et petite note à part, je ne l'ai pas testé en vidéo, mais je l'ai testé à part. Et puis si vous brisez les fondations qui sont en dessous, ça ne va pas se briser, les rampes. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit à la prochaine. Ciao!